Méditation du 12 août, de mauvaises habitudes qui marquent la vie. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Proverbe 15, verset 19. Il était une fois un homme riche qui, avant de partir en voyage, avait confié une grosse somme d'argent à trois jeunes gens, au premier 5000 pièces d'argent, au second 2000 et au troisième 1000, voir Matthieu 25, verset 14 à 30. Les deux premiers se sont immédiatement mis au travail en cherchant la meilleure manière d'investir cet argent. Leurs efforts ont porté leurs fruits. Ils ont doublé la somme reçue. Mais le troisième a réagi différemment. Il a pris peur et n'a pas su quoi faire de l'argent. Il a pensé que s'il ouvrait un commerce, il serait écrasé par le poids des impôts. S'il s'associait avec une personne, elle pourrait le voler. S'il achetait une grange, il devrait travailler plus et dépendre de ses employés. Il était bien embarrassé. Et tout cela à cause de cet argent qu'il n'avait pas demandé. Le mieux était de l'enterrer et de le rendre à son maître à son retour. Un jour, l'homme est rentré de voyage et il a fait les comptes avec les jeunes gens. Les deux premiers l'ont informé qu'ils avaient doublé la somme qu'il leur avait confiée. Satisfait, l'homme a dit à chacun d'eux, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Verset 21. Mais quand il a entendu le rapport du troisième, il a été submergé par la déception. « Mais mon garçon, pourquoi n'as-tu pas profité de l'occasion qui t'était offerte ?» a demandé le maître. « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Verset 24 et 25. Eh bien, l'homme de l'histoire s'est presque fait insulter pour avoir offert à ce garçon une grande opportunité. La paresse est l'un des plus grands maux pour un jeune. À cause d'elle, il perd d'importantes opportunités tout au long de sa vie. Elle favorise le pessimisme, le manque d'enthousiasme et condamne à la pauvreté. C'est pourquoi Ecclésiaste 10, verset 18 de la version Bible français courant dit « Le toit s'effondre sur celui qui est trop paresseux pour le réparer. L'eau pénètre dans la maison de celui qui est négligent. » Ne permet pas à cette terrible habitude de s'installer dans ta vie. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.